Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. GIEC, ou GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Créé en 1988 par l'Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, il regroupe aujourd'hui 195 États. À partir de publications scientifiques réalisées à travers le monde, le GIEC évalue la réalité, les causes et les conséquences du changement climatique en cours. Le 20 mars 2023, le sixième rapport de synthèse a été publié. Généralement très peu relayé par les médias, il a subi cette année de plein fouet l'ampleur du mouvement social sur la réforme des retraites en France, mettant une fois de plus ses conclusions plus ou moins de côté, même si nous sommes de plus en plus nombreux à observer les symptômes d'un réchauffement au quotidien, chez nous comme à travers le monde. Que nous apprend-il cette fois-ci? Ce rapport n'inclut pas de nouvelles recherches, mais fait le point sur l'état des connaissances. Ainsi, plus de 14 000 études ont été contrôlées et étudiées minutieusement. Il est intéressant de constater que cette synthèse inclut de nouveaux auteurs, dont les deux tiers n'avaient jamais participé au précédent rapport. L'équipe était composé de scientifiques de 65 pays du monde entier. Le processus de rédaction est laborieux puisqu'il comporte trois phases de relecture par la communauté scientifique et les gouvernements. Plus de 78 000 commentaires scientifiques et gouvernementaux ont ainsi été pris en compte par les auteurs. Depuis le précédent rapport de synthèse réalisé en 2013, les sciences du climat ont connu d'importantes avancées. Les modèles climatiques utilisés ont été améliorés, ainsi une image plus claire se dégage du climat sur la Terre et de l'impact des activités humaines sur celui-ci. L'indicateur clé pour mesurer son évolution est la température moyenne de la surface de la Terre par rapport à la moyenne de la fin des années 1800. Le rythme de réchauffement est sans précédent depuis au moins 2000 ans. En considérant les 10 dernières années, la température moyenne a augmenté de 1,1 degré. Le deuxième indicateur est l'augmentation des niveaux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Elles sont aujourd'hui plus élevées depuis au moins 2 millions d'années. Au cours des 100 dernières années, le niveau de la mer s'est élevé à un rythme plus rapide qu'au cours des derniers 3000 ans. La superficie de la banquise arctique, en fin d'été, est à son niveau le plus bas depuis au moins 1000 ans. Et le recul des glaciers sans précédent, depuis 2000 ans et ce depuis 1950. Ce réchauffement a des conséquences majeures. Il contribue à l'augmentation des événements de chaleur extrême, de précipitations intenses et des sécheresses affectant les personnes, la flore et la faune, la nature et l'agriculture. Les conditions propices aux incendies deviennent plus fréquentes et nombreuses. Ce rapport de synthèse est ensuite remis aux différents gouvernements du monde pour établir des plans de prévention pour éviter tout réchauffement supplémentaire. Cependant, il finit souvent dans les placards des cabinets gouvernementaux. N'étant pas contraignant, car il s'agit juste de recommandations, et c'est bien là où le bât blesse. L'ensemble de l'humanité est aujourd'hui sous l'égide d'un seul et même modèle économique, le capitalisme. Le niveau individuel de croissance d'un être humain est étroitement lié à son capital et au développement de celui-ci. À travers le mot capital, entendez bien accumulation de richesses et donc destruction planétaire, puisque le capital est avant tout un détournement des ressources naturelles pour la production. Or, si nous étions un peu moins de 500 millions d'individus dans les années 1500, nous sommes en 2023 pratiquement 8 milliards d'individus sur la planète. Le rôle de l'homme sur le réchauffement climatique n'est pas de l'ordre du complot, mais bien réel. Attention, focaliser sur le terme réchauffement climatique en cache généralement ses causes,
comme la forte industrialisation rasant les forêts, l'extraction des hydrocarbures, la perturbation du cycle de l'eau, l'emprise du peuplement humain sur l'espace naturel, entraînant de multiples conséquences comme la perte de biodiversité ou encore une pollution majeure. Pourquoi n'agissons-nous pas ? Tout simplement parce que l'humain, dans son évolution, a modifié ses croyances. D'un humain faisant partie d'un tout, croyant en des divinités naturelles et craignant leur courroux, il s'est d'abord développé en symbiose avec son environnement. Lorsque les religions monothéistes sont apparues, il est devenu le représentant de Dieu sur Terre, s'extrayant ainsi du règne animal dont il fait pourtant partie. Et le temps des Lumières a ensuite rationalisé le monde, comme le stipulait Descartes « Je pense, donc je suis, donc j'ai une capacité d'emprise sur le monde ». Couplé au concept de progrès illimité et au capitalisme, l'emprise de l'être humain n'a cessé d'augmenter dans un paradigme dont deux mots peuvent le définir aujourd'hui, individualisme et argent, comme source de bonheur et d'épanouissement. Ce qui est intéressant à observer est l'attitude des gouvernements essayant toujours d'inscrire les humains dans le progrès, le travail et le développement personnel comme une rationalité éprouvée, alors qu'il n'en est rien. Nous vivons aujourd'hui dans l'irrationalité la plus totale, asservie à un consumérisme qui nous dévore par les multiples désirs qu'il crée continuellement. Pourquoi agissent-ils ainsi ? Tout d'abord parce que de tout temps, l'humanité a été divisée en classes. Auparavant, rappelez-vous, vos cours élémentaires, il s'agissait d'ordre, le clergé, la noblesse et le tiers-état. De par la naissance, vous apparteniez à une ou l'autre de ces catégories. Puis la perte de croyance, les avancées scientifiques, ont permis à l'homme de s'émanciper d'une divinité qui lui promettait le paradis ou l'enfer. La rationalisation productive qui s'installe au XIXe siècle avec l'industrialisation et la mécanisation va définitivement inscrire l'homme dans une nouvelle répartition, cette fois-ci non divinisée, mais financiarisée, appelée classe sociale. Nous ne sommes plus désignés par nos croyances, mais par nos revenus, nous permettant ou pas d'accéder à un certain degré d'égalité. Gouverner aujourd'hui en toute rationalité sous-entendrait un programme politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'une remise en place de l'homme dans une relation symbiotique avec son environnement, et in fine, d'une baisse du capital individuel et d'un arrêt de la croissance économique génératrice de destruction planétaire. Aussi, la réponse à la sixième extinction de masse annoncée par les scientifiques depuis des décennies se résume à une seule question. Seriez-vous prêt à voter pour un tel programme politique ? C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur délire. J'ai trouvé ça. Voilà, Green, oui. Green, comment ? Oh, super Green. Green aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des babotines. Green, tu vois ? Mais alors, tu vois le Green absolu. Green, plus Green.